Monsieur Tirel, donc la question sur la charte, votre position sur la charte et les moyens pour combattre tout type de discrimination. Premièrement, nous sommes le parti politique le plus fortement opposé à cette charte. Nous croyons que c'est une mesure qui divise les Québécois et qui va empêcher beaucoup de femmes musulmanes à trouver de l'emploi. Si on va interdire les symboles religieux dans la fonction publique, ça va avoir l'effet de légaliser la discrimination au travail dans le secteur privé. Nous trouvons que ça, c'est un geste pas acceptable. Nous sommes très fortement contre. Ce qui est en train d'arriver au Québec maintenant avec la politique de division, on l'a vécu en 2012, quand le gouvernement libéral a tenté de dire que le carré rouge des étudiants était le symbole de la violence et de l'intimidation. Maintenant, on a un gouvernement du Parti québécois, deux ans plus tard, qui tente de nous dire que les symboles religieux ostentatoires sont une signe d'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc, nous autres, nous sommes résolument contre toute mesure du gouvernement qui tente de dire aux citoyens comment s'habiller, comment se comporter, quelle sorte d'identité qu'ils devraient avoir. Nous sommes un parti qui favorise le multiculturalisme et nous sommes avec vous dans cette lutte contre ce gouvernement oppressif. Merci. Merci.